Et bonjour à tous et bienvenue. Comme je vous ai dit, voilà, Samara Room, mais pas Samara Room, je sais pas pourquoi j'ai mis un apostrophe F sans un apostrophe S en le disant à l'épisode précédent. Je vais essayer de speedrunner le jeu. Maintenant que j'ai la solution, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je sais pas si ce sera publié. Bon, voilà, il y a ça. Donc, je sais pas combien de temps ça a duré. Je mettrai peut-être un minuteur. Un minuteur. Voilà. Ok. Hop. Les flèches pour se déplacer. Oui, bon, ça j'ai compris. Hop. Donc, on va prendre les bougies. Donc, on en a une là. Ici, pour le moment, on peut. Si. Est-ce qu'on peut déjà le dire? C'est. Unlighted May. L-I-G-H-T. Mince, j'ai dû me planter en écrivant. Non, c'est bon, j'ai bien écrit. Ok, donc ça c'est bon. Ici, on se regarde rapidement. Bon, il y a le S. Ok. On n'a pas encore le couteau. On a ça, donc ça, on sait faire. Zut. Ok, on a une deuxième bougie. Ici, deuxième tiroir, il y a le couteau. Du coup, on vient au précédent. Ok. On a trois bougies, la quatrième, la quatrième. J'ai pas retenu les heures. J'ai pas retenu les heures, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je suis con. Elle est là, la dernière bougie. Hop. Allez. Ok. Et il me faut, pour pouvoir passer au monde suivant, il me faut le poisson. Qui était là. Ah, c'est mal foutu. J'ai perdu du temps. Ok, donc là, on peut déjà prendre ça. Salut, on regarde rapidement le symbole. Ok, il y a le concombre là. Donc il faut cliquer sur tous ceux qui sont sur une partie claire. Mais surtout pas sur une partie foncée. Voilà. Et on récupère la deuxième coquille. C'est bien. Ici, il y a une troisième coquille. On est nickel. Et dans les tiroirs, il n'y a rien. Là, il y a une coquille. Hop. On y va. Ça va. Ce niveau est assez rapide à faire. Voilà. Ok. Du coup, ça, c'est bon. Hop. On va placer les trois coquilles. Hop. Et on va les récupérer le cœur. Allez. Hop, salut. Allez. Voilà la partie la plus glauque du jeu. Merci pour le cœur. Allez. Décède. Hop, et on retourne dans notre monde. Je suis con, j'ai oublié de mettre le cœur à le petit poisson. Ok, ensuite. Il y avait la clé aussi, non? Non, c'est ça. Hop, ici.
Du coup, maintenant, je crois que je peux avoir l'heure quelque part. Non, je suis con. J'ai oublié, il y a la clé à récupérer. Il y a la clé à récupérer, je ne sais plus où. Il y a la clé de ça parce que c'est là qu'on récupère le bocal. C'est ça. C'était ce truc-là. Ah, mais ça me saoule ce truc! Celui-là, celui-là. C'est ça. Hop. Non, c'est bon, je l'ai. Hop. Allez, super salut, hein. Ok. Maintenant. Ah, c'est pas vrai, je me suis encore planté de monde. Ouais, laissez tomber l'idée de speedrun. Ok, donc maintenant j'ai le lézard, donc je peux aller dans le monde lézard. On va y aller tout de suite. Voilà, donc on se regarde rapidement, voilà, hop. Donc c'est le truc parapluie là, hop, voilà, la petite blague. Non, il la sort pas, mon meilleur profil. Bon, on s'en fiche. J'avais oublié ça. On va commencer par ça d'abord. Trois heures 55. C'est ça? Ah non, il me faut 1 heure de plus. Voilà, ok. Les allumettes. Super, ça fait 3 billes. Merde. Et la dernière bille, c'est le... C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Ok. Puis il y a donc cette énigme-là. Qu'éventuellement, on peut rendre plus tard, je crois. C'est pas grave si on la fait pas maintenant. Allez, on va la faire maintenant. On va passer un petit peu de temps là-dessus. J'ai fait. Je sais plus comment j'avais fait.
Ok, et maintenant je peux retourner dans mon monde, c'est par là. Hop. Avec le cœur. Ok. Là voilà, ok, et c'est cette heure là, c'est ouais, 7 heures et quelques là. Non, 1 heure de plus, voilà, c'était ça. Hop, ça nous fait déjà deux de la tri. Deux clés de la Triforce là. Ok. La terre, je l'ai pas, mais. De toute façon, là, il va falloir que j'aille dans le truc de l'eau maintenant. Ok. Je récupère ça, ça s'est apparu. 3h, 3h10. Non, 3h05. Si, c'est ça. Non, c'est 2h15. Ok, hop. Mon bocal d'eau, je l'ai. Hop. L'arrivée. Ok. Donc ça, c'est bon. Voilà, super. Hop, la graine, la flotte. Hop, et on est reparti. Hop, monde lézard. Monde lézard pour récupérer. Hop, le. Le lombric. Mince. Hop. Ok. Ça, oui. Il me faut. Ah oui. Ah zut. Il faut. Voilà. Il faut que j'aille là d'abord. Donc il y a des trucs. Il y a des trucs à déplacer pour pouvoir récupérer la première pétale. Je récupère le couteau. Hop. Déjà. Hop, y a ça pour récupérer une autre pétale. Ok, ensuite, il y a la fameuse énigme. La fameuse énigme, comme ceci, comme ça. Ok. Il doit en manquer une là. Il manque évidemment. Hop. Non, hop. Elle est où? Elle est là. Hop. Ensuite, le noir, ça doit être là. C'est là. Ici, c'est ici. Ok. Et donc, on a 1, on a 2, 3 et 4. Hop, on a l'œuf. On se tire. Ensuite.
puisque... Ah, ok. Ok. Voilà, c'est bon. Non. Un cran trop loin. Allons-y. Hop. Et en vrai, déjà le dernier monde. Eh ben oui. Et on est à 17 minutes. Du coup, c'était le plus dur, ça. Hein. Alors, je vérifie. Ouais, voilà, on a ça, mais je vérifie juste les tiroirs. Ah, c'est ça. On a le pot ici. On n'a rien dans le deuxième. Et ici. Donc, on a le fameux compte. Et ici, on a les fameuses photos et images. Ok. Let's go. Alors, de mémoire. Le premier truc qui nous débloque, c'est d'aller dans les nuages et de trouver les différentes formes. Hop, le poisson. Le lombric. Allez, là, tu l'as, le poisson. Voilà. Hop, le lombric, tu... Pareil, tu l'as, là. Voilà. Hop, allez. L'œuf. L'œuf, tu l'as. Tu l'as. Tu l'apprêtes, tu l'as. Voilà, ok, super. Et ça, le lézard. Voilà. Ouais, et donc, résultat, oui, on a, hop, l'horloge. Voilà, super. Donc là, on a l'heure suivante. Est-ce qu'on a autre chose à faire? On a ça. Oui, donc faut qu'on aille récupérer l'œuf d'abord. Hop. Donc on va faire cette énigme-là rapidement. Donc celui-là. 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 Le doigt. Ok. On l'a. Ok. Tac, que je me souvienne bien. Hein. Il va nous falloir le sable et tout, là, le... donc ça, ok. Donc là, on peut aller à l'heure suivante. Qui est... celle-là, si je veux bêtise. Non. Merde. Non, c'est ça, c'est 7h. Non, encore 1 heure de plus. C'est ça. Ok, on récupère le tournesol. Ça, ok. Ah, c'est ça, donc. Rise up. Ok. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est bon, hein. C'était l'indice. S'il y avait un, il y avait autre chose avec, je crois. Ouais, il y avait une plume. Ok. Du coup, hop. Et le couteau pour ça. Salut, salut. Salut mon pote. Hop, on récupère les deux balances. Ça, de mémoire, c'est... ça, c'est le carré. Ça, c'est le S machin. Ça, c'était le trait. Comme ça. Et ça, c'était le... Non. C'était pas ça? Le code a changé. Le code a dû changer. Ou alors il ne s'active que quand on
quand le jeu sait qu'on a le bon code. Du coup, ici, on peut tout de suite faire, c'est le coup du tournesol là. Du coup, ici, on a les fameuses balances. Alors, on va faire... Je peux pas les inverser. Hop. Hop. On va voir ça, on va voir ça. Ça et ça, on s'en fiche. Ça et ça, comme ça. Hop, c'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Du coup, on va retourner rapidement à 14h. Salut mon poteau, tiens, v'là une graine, hop. Ok, on peut déjà poser les trois là, ici. Ça nous libère l'inventaire. Et la prochaine heure, du coup, c'est 4h, 4h15, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'on déduit avec le poids des créatures, mais voilà, on s'en tape. Du coup, hop, hop. Aussi, aussi, on s'en fiche. Ici. Le couteau. Carré. Truc là. Non, bah, c'est le même code. Donc, bas, c'est le S. En haut à gauche, c'est ça. En haut à droite, c'est ça. Et en bas, c'est le T. Donc il l'a vraiment pas accepté parce que je savais pas. Ouais voilà. En fait c'est parce que vraiment faut le voir quoi. Celle-là c'est pas celle-là non plus, c'est celle-là. Ensuite c'est celle-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Celle-là et celle-là. Ok, donc de toute façon ça on le sait, hein, c'est 8h, enfin c'est 9h moins le quart. Ok. On a l'autre saloperie de hibou qui m'avait fait... qui m'avait rendu dingue le dernier coup. Du coup, il regarde à droite. Il me regarde moi. Il regarde à gauche. Il me regarde moi. Il regarde derrière. Il disparaît. Merci la plume. Ok. Et il nous manque plus que l'objet monde, donc à savoir le bébé qu'on obtient. Avec la cigogne. Donc, tous nos objets mondes, on le donne à la cigogne. Et fin du jeu.
25 minutes. Enfin, 26... ouais, avec l'intro, ouais, 25 minutes. Et encore, j'ai merdé au début du speedrun. Il y aurait moyen de le faire en 20 minutes. Avec un peu d'entraînement, il y aurait moyen de le faire en 20 minutes. Voilà, donc c'est ici que s'arrête cette aventure sur Samara Room. Voilà. En espérant quand même que ça vous ait plu. Et peut-être que, comme je vous dis, hein, peut-être que je ferai d'autres jeux Rusty-like. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et ça serait à peu près le même format. C'est-à-dire, il y a l'instant découverte où vraiment on découvre les puzzle games. Voilà. Et après, on tente un speedrun de ce même jeu. Voilà. Parce que finalement, voilà. Même si ce speedrun n'a pas été ouf, vu que j'ai pas mal merdé. Voilà, ça donne une bonne indication sur quand on connaît la soluce, comment. Enfin, de tête, comment on connaît la soluce de tête, on réalise le jeu. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous dit de voir les autres jeux Rusty Lake ou alors faites-les vous-même. Hein. Je vous dis, ils sont pas chers sur Steam. Il me semble que Samara est gratuit. Et les autres sont à 2 ou 3 euros, enfin entre 2 et 3 euros. Donc allez-y. Allez-y, c'est plutôt des jeux corrects. On va dire clairement, c'est des jeux très corrects. On peut pas cliquer sur le téléphone ici. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.